comme le clerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé, comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en y en parlant. De ce fait, qu'en penses-tu du curé ? Il raconte n'importe quoi. De plus, il s'incruste dans toutes les cérémonies, quelles qu'elles soient. Il dit le clerc alors que c'est Jean Moulin. Déjà, ça c'est une faute de débutant envers notre ami. Et il a tout de suite commencé par la cérémonie au lieu de se présenter et de nous expliquer ce qu'il lui faisait ici. C'est vrai, je pense exactement la même chose. Je trouve qu'il a un parfait culot de refaire cela. De plus, ils ont le pouvoir sur tout. Comment ça se fait-il ? Je ne sais pas. Tu crois pas que cela devrait changer ? Bien évidemment. Je te rappelle simplement au passage qu'ils ont le pouvoir depuis maintenant un peu plus de 3 siècles. C'est vrai que le peuple mériterait aussi ce moment de gloire en ayant des tableaux dignes de ce nom, tout comme le clergé. Et toi, Fossoyeur, qu'en penses-tu de l'ensemble de la cérémonie et du curé ? Ouais, et qu'en penses-tu sur le fait qu'il soit complètement désaccordé et qu'il ait l'audace de se tromper sur le prénom même ? Moi, sincèrement, je trouve pas mal, hormis ses erreurs de temps en temps, mais à part ça, ça. Ok, encore un Ishbot, tu ne trouves pas ? Ah, si, si, je le trouve. Encore un Ishbot. Veillez à voir un minimum d'erreur à la personne. Qui assiste à un enterrement tout, complètement raté du début jusqu'à la fin. Veillez à voir un minimum d'erreur à la personne qui nous sommes tous réunis. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien qu'on s'embrouille pour n'importe quoi. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour notre ami et pour l'honneur. Complètement d'accord avec toi, mon ami. Cela ne sert strictement à rien. C'est vrai, mais un enterrement digne de son nom comme un roi au Panthéon.